J'espère que vous allez bien. Trop ravie de vous revoir pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc, on se retrouve une nouvelle fois pour un retour de course. Alors, c'est pas un gros retour de course parce que j'ai déjà fait mes grosses courses lundi et aujourd'hui on est mercredi. Alors, on est le, je vais vous dire, on est donc le 21 février. Cette vidéo paraîtra pas. Enfin, vous allez voir au niveau des dates, ça risque d'être décalé, donc soyez pas choqués. Excusez ma tête parce que j'avais pas envie de me maquiller aujourd'hui et en plus je fais une petite pause à niveau make-up parce que la semaine dernière j'ai été maquillée du lundi au dimanche dû au fait que j'ai eu plusieurs événements et du coup là je laisse un peu ma peau se reposer, en plus j'ai un peu d'eczéma. Enfin bref, on en revient à notre sujet principal. Donc j'ai dû faire un petit compliment au niveau de mes courses parce qu'en fait j'ai fait mes courses lundi et j'ai reçu les catalogues des différents supermarchés autour de chez moi. Et donc j'ai vu des choses assez intéressantes au niveau des promotions. Donc je suis allée chercher tout ça et pour une fois, je n'ai pas traîné à regarder, à trop réfléchir et tout. J'avais bien établi ma liste, je savais que je devais faire ça. Donc j'ai pas traîné ni tourné en rond dans le magasin et ça c'est juste trop bien parce que des fois je perds un temps fou à faire ça. Mon chéri déteste faire les courses avec moi parce que je mets trop de temps, voilà, tout simplement. Mais là j'ai été hyper efficace, donc je suis super contente. Donc je suis allée chez Leclerc et chez Auchan. Donc je vais commencer avec Auchan, enfin surtout avec ce qui est frais, comme ça je vais pouvoir ranger direct après. Alors j'ai pris un filet de saumon comme ceci, c'était comme vous pouvez le voir, 6 € les 200 grammes, donc hyper intéressant au niveau prix parce que le saumon c'est assez cher, hein, on est d'accord, et on n'en mange pas souvent du poisson, et cette semaine j'ai décidé qu'on allait faire la semaine poisson, donc j'ai acheté du cabillaud donc sur les autres courses, j'ai acheté du filet de limande aussi, et là donc j'ai pris du saumon, donc ça va être étalé sur toute la semaine. Ah oui, j'ai aussi acheté du saumon fumé que je prévois de faire avec des petites salades, avec des tartines de saumon et tout ça. Enfin, ça va être très sympa. Donc voilà, j'en ai pris deux pour le coup parce que ça fait quand même, pour une personne, je trouve que ça fait juste. Sachant que je vais faire ça avec des petits légumes, des trucs comme ça. Donc ça aurait été pour une soirée sushi, encore un, ça aurait suffi. Mais là, vaut mieux un filet chacun. Donc j'en ai pris deux. Ensuite, j'ai pris des boulettes de bœuf, voilà, de la marque, de quelle marque? De la marque Bigard, j'ai encore jamais pris cette marque-là chez Auchan, mais voilà, c'est écrit sans additif et c'était 2 plus 1 gratuit, donc 2 plus 1 gratuit, mon chéri il adore les boulettes et ça fait hyper longtemps que je ne lui en ai pas fait. Voilà, ensuite j'ai pris également du carpaccio de bœuf, voilà, de chez Charal, puisque c'était 9 €, enfin ça revenait à 9 € les 3, alors qu'un seul, je me souviens plus du prix individuel, mais voilà, les produits Charal en général, c'est pas donné. Donc j'ai pris ça, c'est au parmesan, il y avait 3 recettes, il y avait au basilic et il y avait à la tomate séchée aussi, mais moi j'ai pris au parmesan, voilà, parce que je kiffe le fromage, mon chéri aussi, et je voulais pas prendre trop de risques non plus, aller prendre d'autres goûts. Voilà, donc du coup je me suis rabattue sur celui au parmesan. Voilà, en plus je vois qu'il y a une marinade dessus, donc je suis sûre que c'est super bon. Et voilà, à voir, à tester. Donc j'en ai pris 3. En gros ça faisait du 2 plus 1 gratuit, un truc comme ça. Ensuite j'ai pris de la salade. Donc sur cette salade il y avait moins 25% qui se reversait directement sur la carte Auchan. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris celle-ci. Il y avait soit ça ou soit de la roquette, mais mon chéri il n'est pas trop fan de la roquette. Il préfère quand c'est mélangé dans d'autres salades et tout. Donc quand c'est directement de la roquette, il aime pas. Donc je me suis dit, les jeunes pousses, moi j'adore ça et lui aussi. Donc voilà, j'ai pris un sachet. Et de la crème fraîche fleurette, j'en ai déjà à la maison, mais j'en ai rajouté une parce qu'il me reste que 2 petits pots. Moi en général je prends des tout petits pots, vous savez, pour les briques là en carton, et là donc j'ai pris du 20% matière grasse et il y avait, si je me trompe pas,
il y avait 20% normalement qui revenait sur la carte. Voilà. De toute façon, là, tous les produits que j'ai pris, c'est que des trucs en promotion. Ou peut-être à Leclerc, j'ai rajouté un ou deux trucs, mais je sais plus. Donc ensuite, toujours de chez Auchan, j'ai pris donc du lait pour Jade. Donc je l'ai déjà dit, hein, mais elle est sur du Gallia Calisma en croissance. Comme elle est en préma, son pédiatre veut qu'elle reste sur du croissance jusqu'à ses 3 ans. Donc celui-là, c'est celui qui va jusqu'à ses 3 ans. Et il y avait une super promo dessus, c'est de acheter un gratuit. Donc bah voilà, c'est quand même 9,90€ l'unité, donc si je peux en avoir un gratuit, je vais pas cracher dessus. Donc voilà, j'ai pris ceci. Là je passe au sac Leclerc. Donc à Leclerc, j'ai pris une boîte de tisane détox saveur menthe, voilà. Bah en fait j'avais déjà pris et voilà, il n'y avait pas de réduction sur celle-ci, mais je sais pas, ça m'a donné envie, donc j'en ai pris, voilà. J'ai pris encore des autres styles de croutons parce que c'est trop bizarre, quand je suis allée faire mes courses lundi à Auchan, je n'ai pas trouvé le rayon des croutons ni le rayon des soupes, donc j'imagine qu'ils étaient certainement en train de déplacer le rayon quelque part, et au moment où j'étais là, il n'y en avait point, donc du coup je me suis rabattue sur cela. Donc c'est des croutons nature spécial soupe, je ne sais pas du tout ce que ça donne. En termes de prix, pas trop de différence avec Auchan. Je me rappelle plus non plus des prix au champ, désolée. Mais voilà, donc j'ai pris 2 paquets comme ça. Ensuite, ça, c'était pas du tout prévu, mais je suis tombée dessus. Vous savez, c'est les petits bâtonnets là, à l'apéro, c'est super bon dans des rillettes de thon ou quoi. Donc c'était remisé à 2€. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas pour 2€. En plus, en général, tout ce qui est produit style artisanal. Là c'était genre ça vient d'Italie et tout, en général c'est assez cher. Donc là 2€, je me suis dit ça va. Et je suis trop faible, voilà, 2€ aussi pour voilà, la même gamme de produits que je vous ai montré juste avant. Sauf que là c'est des petits sablés avec du chocolat fondant là. J'ai hâte de goûter ça. Voilà, ensuite il y avait une super promotion sur les asperges, donc les grosses asperges, donc c'est pas bio. J'aurais préféré que ça soit bio, mais voilà, c'est pas bio sur la promo. Et j'adore faire les veloutés d'asperges. Vraiment, le velouté d'asperges, c'est un de mes mets préférés, tellement j'aime trop ça. Donc voilà, c'était un acheté, deux gratuits. Donc très très bonne promotion, sachant que c'est assez cher quand même, une boîte d'asperges. Je crois que c'est dans les 5€, un truc comme ça. Enfin, je sais plus. Ensuite, j'ai pris 3 lots de thon comme ça. En fait, ça revenait à 6€ les 3 lots, sachant qu'il y a 4 boîtes. Donc, j'ai fait mon stock de thon. À savoir que le thon comme ça, petit navire au naturel, voilà, il est très bon. Et voilà, enfin, c'est très très cher le thon. Donc là, je me suis dit, c'est le moment de refaire le plein. Donc voilà, j'ai pris 3 paquets comme ça. Donc, je suis très contente. Après, je me suis pris une paire de mangues. Alors c'est pas des mangues bio non plus, mais ça va, enfin ça vient de je sais plus d'où, enfin bref, j'ai envie de mélanger ça à une salade, donc du coup j'en ai pris et ça revenait à je sais plus, alors je vais regarder sur mon ticket, je vais vous dire ça, mais en tout cas ça revenait à vraiment pas cher du tout, les 2 mangues, donc une promo Leclerc aussi, hein. Après j'ai pris une paire d'avocats, donc en bio cette fois-ci. Moi, dès que je peux prendre bio, je prends bio. Voilà, une paire d'avocats, donc pareil, ça revenait à pas cher non plus. Alors je regarderai sur mon ticket, je vous dirai ça juste après. Donc voilà, pour les salades et tout, c'est nickel. Et enfin, il y avait une belle promo Blédina sur les compotes. Et voilà, Jade mange énormément de compotes, donc le stock descend très très vite. Donc voilà, ça c'était très bien. Je sais plus non plus à combien ça revenait, mais je vais vous dire ça tout de suite. Alors, donc là j'en ai fini, hein, avec mon haul course. Enfin, je vous ai tout montré. Je vais vous dire au niveau des prix. Au total, à Leclerc, j'en ai eu pour 40,35€. Ouais, c'est ça, 40,35€. C'est vraiment très bien. Donc les mangues, je les ai eues à 60 centimes les 2, donc vraiment très bonne opportunité. Le thon 6,28€, donc les 3.
Ah non, attendez, je regarde peut-être pas le bon truc là. Si, si, c'est ça. Les asperges, donc j'ai eu 5 euros, c'était 5,23€ la pièce, donc un gratuit. Ensuite, les compotes, c'était 4€. 4€ le paquet, voilà. Donc c'est génial. 4€ là, les 3 boîtes. Alors que des fois, juste une boîte, c'est 4€. Donc vraiment très bien. Donc je suis très contente. Et je vous ai pas dit pour les avocats. Alors, les avocats. €2,50. Il y a peut-être eu un petit schmilblick sur les avocats. Parce que je les ai eu moins cher en fait. Bref, tant mieux. Donc très bien Leclerc. Donc j'en ai eu pour, comme je vous ai dit, 40,35€. Et puis j'en ai eu pour à peu près une cinquantaine d'euros pour Auchan. Donc voilà, c'est très bien. Compléter comme il faut mes petites courses avec des petits plaisirs, donc ça c'est vraiment génial. Il fait super beau dehors, mais alors il fait super froid, et tant mieux, un peu de soleil ça fait du bien. Il y en a marre d'avoir du temps maussade et tout, enfin moi ça me fait déprimer personnellement. Enfin voilà, j'ai aussi fait des petits achats pour moi, vêtements et tout, mais ça je vais vous montrer ça dans une autre vidéo à part, parce que ça n'a rien à voir avec tout ce qui est alimentaire et tout. Donc voilà, cette vidéo se termine ici. Donc vous voyez, elle est assez courte hein, parce que j'avais pas non plus trop de courses à vous montrer, mais je me suis dit pourquoi pas en refaire une, puisque j'ai vu que ça avait bien plu sur la chaîne. Je te laisse mettre un petit commentaire. Mettre également un like, et si tu veux partager, voilà, n'hésite pas à partager. Et puis si t'es pas encore abonné à ma chaîne, bien sûr, abonne-toi.